L'important dans la vie, c'est d'être conscient que tant que vous êtes en vie, il n'est jamais trop tard. Je vous le garantis, peu importe ce qui se passe, les choses paraissent meilleures réveillées qu'endormies. Et quand vous mourrez, la seule chose dont vous avez envie, c'est de revenir. Manifestation de la création, dans le viseur je vois le choc des civilisations, l'affrontement des communautés, on se replie dans des idées communautées, le voile sur vos yeux n'est pour être éprouvé, notion principale, réalise des prouesses tout approuvées, la vie un labyrinthe dans lequel la vérité est à trouver, question numéro 1, où vais-je, qui fait quoi, on nous bassine avec des faux débats, liberté d'expression parfois proche de la débâcle, Charlie Hebdo, racheté par les Rothschild, qui l'eût cru? Des questions se posent, j'observe d'autres signes. Mais par qui est financé l'État islamique? Si ce n'est par les États-Unis, Israël et l'OTAN, ils paniquent dans une mer agitée, on ne voit pas le fond des choses. La lettre d'Albert Pike nous informe la guerre et de ses causes. Le conflit israélo-palestinien dure depuis trop de temps. Nerf de la guerre, la Libye baigne dans un bain de sang. Des chars contre des pierres, de la chair, des corps errants. Après la destruction du communisme, place aux musulmans. On infiltre l'islam, on finance des faux courants qui dans quelques années tueront au nom du Coran. Les révolutions arabes n'ont servi qu'à étendre le désordre. 99% des richesses tenues par 1% des hommes. C'est ce qui nous ramène la bêtise amère de l'homme et des... Ignorant celui qui pense tout savoir dans une même phrase, on ne conjugue pas le verbe être et le verbe avoir. Il y a des intérêts politiques qui nous dépassent, des technologies secrètes qui nous donneraient des spasmes. Le monde tremble et les étoiles le sentent dans l'espace. Le satanisme enseigné dans les écoles, c'est l'extase. Pas fan des thèses complotistes, mais j'avoue rester perplexe. J'observe le monde du haut d'une colline et vois agoniser terre-mer. Les médias veulent me voler père-mère, seule la foi sauve dans ce pêle-mêle. Jusqu'à présent, aucun messie n'a fait consensus et l'existence de Dieu sera éternellement débattue. Grille lecture antagoniste, incompatible entre athées cartésiens et pratiquants contemplatifs. Discours de sourds entre prosélytes aveuglés, au fond de leur âme apeurée, épuisée, aveuglée. À pas du gain justifié par des textes sacrés, armés, sanguinaires que rejoignent des mecs ratés, exaltés. Chômeurs endurcis, délinquants, sursis, sevrés de vidéos, messages, bellicistes et mystiques, rejettent tout ce qui leur paraît illicite. Ligne directrice paradoxale pour la doxa illisible mais nuisible, convaincu qu'il n'y a pas de paix possible, prêt à faire crever des enfants pour leur leitmotiv. Regard acerbe comme leur vision des ennemis, préfère le désert des ascètes à la prison des élites. Observe ce qui nous ramène la bêtise amère de l'homme est éternel, ils veulent tuer terre mère. Observe ce qui nous ramène la bêtise amère de l'homme est éternel.
balkaniser les séries télé au burger potatoes. Anglicisme à haute dose, au McDo je fais une overdose. Les fringues, les films, la musique, la bouffe, les bagnoles, la mode, les jeux, le sport, la dégaine des poufs. Al Capone, Californie, Eldorado pour loup. Fraîchement diplômé, refoulé sèchement par des banques qui ont franchement peur d'innover. Fuite de cerveau, d'artiste et de jeune visionnaire qui fantasme sur la ville en bord de mer. Le salaire millionnaire, monde global, interconnecté, H24, standardisé. Dystopie pour patriotes nationalistes scandalisés. Ritournelle monotone, comme bouffer des pâtes à chaque repas. Le monde est si riche culturellement, mais on gratte dalle. Mais on gratte dalle.